Yon l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec l'équipe Bombard Media nan la, depuis Bombard Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Ministère Éducation Nationale et Formation Professionnelle la, présente yon protocole sanitaire sous façon l'école yap gen pour fonctionner pendant la période maladie dans tout pays. C'est information ça nous pote pour avec plusieurs autres. Si c'est premier fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Bombard Media Now. Et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Eh bien, nous pas perdre du temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. Les sont bien publics. L'éducation sont bien. C'est tout le monde qui pour baïkout mais dans la question sensibilisation, qui pour impliquer. À la fois, le la parler de question santé sont bien publics. C'est toute collectivité, à tout le monde, même notamment dans la zone qui a veillé sur le problème qui a passé dans l'école, qui a alerté l'autorité. Parce que il est arrivé que même mon inspecteur qui a gagné plusieurs écoles, il est arrivé à une connaissance, il est arrivé à vérifier l'ensemble des écoles. Mais c'est ensemble acteurs, que ce soit au parti de AZEC, KAZEC, mairie, les parents, pareil surtout, qui ont responsabilité parce qu'on a parlé de la vie. Nous voulons que les gens continuent à apprendre, mais nous voulons protéger la vie d'abord. Son responsabilité collective, l'État doit jouer le rôle. Mais chaque monde responsable de vie part d'abord. Parents, les gens mènent les gens dans l'école. Nous voulons prendre responsabilité pour le minimum d'encadrement, mais sachant tout que chaque acteur a joué le rôle d'alerte, de veille auprès de chaque unité scolaire. C'est peut-être ça, ne fait appel à la collectivité, aux parents, aux acteurs de l'école pour attirer l'attention. Parce que c'est nous-mêmes qui protégeons Timounio. Timounio, capable d'infecter, il n'y a pas de asymptomatique, et pourtant, on va l'infecter le personnel de l'école. Il faut nous protéger tout le monde dans le cadre de reprendre l'activité scolaire. Donc, nous faisons appel à l'ensemble des responsables, à l'ensemble des membres de la collectivité, à part à toute membre communauté éducative là qui joue le rôle de veille. Il est clair que l'école qui part aux normes, il est arrivé jusqu'à suspension d'activité là, et pour le mettre aux normes, pour nous reprendre. Parce que il n'est pas question pour nous mettre Vitimonio en danger pendant la reprise de l'école. Après l'examen, nous gagnons une plateforme que nous préparons pour nous recommander d'utiliser. Et c'est peut-être ça clé qui est tout pour nous, qui pour aider Timounio à mettre en disposition toute l'école à travers la direction départementale. Ça, c'est une autre manière pour Timounio continuer à apprendre, même s'il l'a calé. Actuellement, on a parlé là pendant près de 2 mois, il y a des cours qui ont diffusé dans plusieurs stations de télévision. Nous connaissons les limitations d'électricité, mais littéralement à varier, et tout comme toute plateforme disponible, donc c'est des moyens pour nous contourner toutes difficultés que nous avons. La question master nous très claire. L'État va faire un gros effort pour toute école publique pour un certain nombre de masques qui sont disponibles. Nous connaissons que parents, nous connaissons par ici qui sont très soucieux, bien fait, il ne faut pas. Mais des contributions au niveau de l'État, des contributions de notre partenaire nous dit bienvenue. Et on a parlé de retour à l'école. Nous voulons saluer évidemment forte contribution à la fois UNICEF, la Banque Interaméricaine de Développement, la Banque Mondiale et tout notre partenaire qui a impliqué. Nous voulons signaler tout dans le cadre de nos activités appui de partenariat mondial qui se bat évidemment au appui Haïti de 7 millions qui permettent nous faire un centre d'activité auprès de familles, auprès de parents. En cas de partage, ça, évidemment, devoir que nous-mêmes nous rien en tant que ministère de l'Éducation, en tant qu'institution d'État, pour nous rendre compte à la population de ce qu'on a fait. C'est un moment important, nous, à quelques jours de rentrée, le 10 août, nous avons un ensemble de consignes, évidemment, le ministère de l'Éducation nationale, un ensemble de dates clés dans le cadre de reprise d'activité scolaire. Un élément clé qui est très important dans le cadre de relance, c'est la question qui est relative au protocole sanitaire. On a précisé depuis le pandémie par le ministère des groupes de réponse COVID-19, qui était un ensemble d'éléments là-dedans, dont un aspect fondamental, c'était l'aspect communication, sensibilisation, qui te permet de nous anticiper, qui te permet de nous sensibiliser acteurs, partenaires, sur comment on peut protéger. Et ensemble d'actions, ça te permet nous-mêmes de réaliser des émissions. On a parlé de émissions qui étaient jeunes de parler, sur ensemble d'actions, ensemble de sensibilisation par les pères, qui étaient jeunes de former leurs jeunes, mais au-delà. Je dis un élément plein de réponse COVID-19, là c'est à la relance des activités scolaires. C'est un dernier élément qui était dans le plan. Et donc, dans le cadre de ça, le ministre a élaboré un plan de relance qui est là dans différents aspects, dont un aspect c'est communication, sensibilisation. Et là, il s'agit à la fois de parler appui aux familles pour la rentrée, appui aux parents, appui au personnel d'école, parce que ça a demandé un ensemble de mise en place pour la relance.
Il n'a pas appelé aux familles, nous parlons par exemple d'appui sous forme d'appui à l'écolage. Nous n'avons pas parlé par exemple d'appui au personnel, n'a pas parlé tout appui psychosocial qui envisage les premiers jours de classe pour accompagner, si nous sommes en salle de classe pour accompagner. Professeur, le staff professoral là, mais n'a pas le tout d'appui aux familles, n'a pas le tout de tout aspect cantine scolaire, tout effort qu'on fait pour accompagner évidemment Timonio le retourner à l'école. Mais au-delà, il y a un élément majeur, parce que je dis à l'école, pas qu'en fait même jour, avec contexte Covid-19 là, nous rappelons la dernière fois qu'il y a un ensemble de directeurs d'école publique qui t'a précisé avec le directeur départemental là, mise en place t'a fait, différents consignes que les plus hautes autorités du ministère bail qui permettent nous d'avancer dans la préparation. Et actuellement, on n'a pas lié à la toute direction départementale. C'est la grande mobilisation avec l'ensemble des acteurs de terrain pour préparer rentrer là. Et il y a un élément clé dans rentrer ça, c'est le protocole sanitaire là, parce que l'école là, pas qu'à faire même. Alors, tu as gagné quelques éléments que tu as déjà partagé avec la presse, c'est ces quelques éléments. Je dis, hein, le document officiel, le document d'un grand ligne prêt, et nous avons partagé la toute communauté éducative avec tout acteur, est extrêmement important parce que je me dis, hein, l'école n'a pas fait même jour. Et qui est-ce qui va le présenter tout comme ça? C'est le directeur santé scolaire là qui font beaucoup de travail depuis l'époque Covid là jusqu'à maintenant, nous toujours dans la période Covid là, et même après que nous avons passé la pandémie, il faut que toujours nous continuons à appliquer des consignes. Donc nous remercions le docteur Ewald Joseph qui joue un rôle important dans le cadre de campagne, communication, cadre de sensibilisation, que ce soit pour nous anticiper, mais pour rien, pour gérer période difficile que la traversée là. Et surtout période de retour à l'école qui n'est pas fait même genre, mais que tout le monde, tout acteur, a un rôle pour jouer dans le cadre de préparer, accompagner Timonio, accompagner personnel pour retour à l'école, ça, parce que Timonio a droit à l'éducation, il faut continuer à apprendre. Quand on dit, le ministre a mis un gros campagne sur ça, je dis, hein, droit à l'éducation, quelque chose en circonstances là, ni dans le pays, nous dit, ni dans l'autre période, il faut que Timonio continue à apprendre, mais avec pandémie, il faut que nous essayions d'apprendre l'autre jeu. Il faut que nous fassions de l'autre façon. Donc, dans ce sens-là, le protocole a élaboré un ensemble d'éléments clés qui partit à la fois de comment dissociation physique a fait, comment geste barrière pour l'appliquer, et il y a un élément principal, la vague des mêmes. Question masculine est très claire. L'État va faire un gros effort pour toute école publique pour un certain nombre de masques qui sont disponibles. Nous connaissons que parents, nous connaissons par exemple qui sont soucieux, qui ont bien fait, ils ne font pas eux, mais des contributions au niveau de l'État, des contributions de notre partenaire nous dit bienvenue. Et nous n'avons pas les retour à l'école. Nous voulons saluer évidemment forte contribution à la fois UNICEF, la Banque d'Amérique de développement, la Banque mondiale et tout notre partenaire qui a impliqué. Nous voulons signaler tout le cadre de nos activités d'appui, de partenariat mondial qui se bat évidemment en appui à Haïti de 7 millions qui permettent de nous faire un centre d'activité auprès de familles, auprès de parents. Mais cela est très clair. L'IPADOE est objet de commerce au niveau de l'école. Il est très clair. Et la dernière fois, le directeur d'école publique qui était inscrit, le directeur départemental, l'Ouest là, était très ferme sur la question ça. Il nous était dit que le directeur d'école utilisait position dans l'école là pour imposer à parents, c'est la carrière pour acheter masse. Parents libres et libres. Choix, ça. Si le directeur d'école veut bailler, bienvenue. Si il y a des partenaires qui vont dire bienvenue. Mais on ne peut pas imposer parce que vous voulez faire une source commerciale. Ou un système qui est ouvert en termes de marché, en termes de commerce. Nous ne pas le faire. Mais sauf que dans l'école, là, on ne peut pas imposer à part. Par un libre cours pour chercher les formes qui fait au niveau local ou d'autres masses qui est beaucoup plus à utiliser. Mais il n'y a pas qu'à une source commerciale pour imposer comme obligation pour pouvoir en faire. Nous très fermes sur ça et nous disons au-delà. Si je n'ai pas rencontré plainte et nous vérifier que c'est ça, mais c'est sûr qu'à tomber. Pour le COVID-19, nous vivons avec une exigence fondamentale, mais qui est difficile à respecter. C'est concilier à la fois l'économique, l'éducatif et le sanitaire. Et parfois, l'une qu'on a allé à l'encontre de l'autre. Et justement, nous cherchons que l'épidémie, parfois après nous trop. En fait, par exemple, il y a une qui mourit jusqu'à date. Mais cependant, puisque tout le monde connaît que l'économie, quand on voit grand rôle la caille,
eh bien, il était commencé à ouvrir, le gouvernement était commencé à ouvrir l'aéroport qui peut permettre que nous sommes capables de fonctionner. Eh bien, activité, notre activité commence tout, l'école, il faut que l'école reprenne. Donc ça, c'est l'activité éducative. Mais en même temps, il y a la menace sanitaire, la menace sur la vie de nos écoliers, sur nous, les professeurs. Même si nous ne sommes pas encore vraiment terriblement frappés par la pandémie, ça. Donc, plutôt qu'on s'arrête à ça, c'est ça, il visait. Et il faut nous dire d'emblée qu'on y tenait compte des recommandations de la scène scientifique de gestion de la COVID-19 mise en place par l'État ici, par le ministère de la Santé. Il tenait compte également des recommandations et des groupes de travaux, des groupes de travail, pardon, que le ministère de l'Éducation nationale mettait sur pied. Il s'agit de deux groupes de travail multisectoriels qui étaient des avant ça. Et puis, c'est un peu débat, et puis, il faut dire deux groupes ça, le privé et public, secteur privé et secteur public. Et c'est une occasion pour nous remercier un pile cadre et le ministère de l'Éducation nationale qui était contribué dans le protocole. Ça, en fait, c'est un protocole vraiment qui utilisait un pile le monde pour être capable de mettre sur pied. Le protocole sanitaire là lui-même est quel contexte que lui élaboré. Eh bien, il élaboré le contexte côté où on connaît que l'école là, nous perdons un peu de temps, depuis une période donc, ensuite avec le confinement, et bien en même temps, le ministère a voulu que Timonio reprenne quand même l'activité. Donc, et le ministère a prévoit que l'entrée scolaire là pour le fait d'abord pour s'améliorer les classes d'examen, à savoir la 9e année fondamentale et la philo, le secondaire 4. Donc, le ministre de l'Éducation nationale là, qui était demandé pour rédiger le protocole ça, et bien lui tenait en pile la question éducation timonio. Mais en même temps, tout, nous tenons en pile tout à question santé timonio, à santé et communauté. Donc, puisque faut que l'école là ouvrit, eh bien, faut qu'il y ait des guides. Faut que nous mettions des précautions, faut mettre des garde-fous pour que Timonio pas infecté, bien pas malade ou ne pas perdre la vie. C'est là, c'est la conciliation de l'exigence sanitaire et de l'exigence éducative, parce que Timonio est une éducation. Maintenant, des conditions préalables avant que l'école ouvre. Et c'est pour dire ça qui paraît en dedans protocole ça. Ça signifie que nous ne pouvons pas fonctionner, même gens ne peuvent fonctionner avant. C'est ça qui fait que parmi les conditions, ça y est, nous demandons, le protocole l'a demandé pour que le nettoyage de l'école qui fait avant. Évidemment, ils ont toujours fait, mais le nettoyage qui fait en particulier avec le chloré, surtout si l'école SAO pendant ce temps était accueilli des rassemblements de monde, si les rassemblements de monde, il y a un risque de contamination. Et deuxièmement, il y a ensuite des dispositifs tout, qui peuvent exister dans l'école pour être capable de faire lavage des mains. Parce que nous connaissons que son maladie qui a transmission interhumaine, et si tu es en demi la faute avec l'autre, même il a touché l'autre, il faut capable de savonner les mains. Donc il faut que l'école là dispose de l'eau, il faut que l'école là dispose de l'eau et de savon, de point d'eau pour laver les mains. Cependant, pas de bonne exigence pour que l'école là ait des savons et des points d'eau et sophistiqués, il est capable que l'école là ait 3 ou 4 gros salons de boquitio pour alimenter avec un robinet, avec savon, et puis si nous sommes capables de savonner même. Parce que ce n'est pas en une semaine ou en 2 semaines que nous pouvons changer tout problème d'infrastructure qui vient dans l'école là, dans le pays. L'autre qui est important tout pour l'école là, puisque nous connaissons que son maladie
à transmission interhumaine. De ça, il est effectif sa éducation pour vraiment le protocole là. Ça ne doit pas qu'il y ait un sentiment en dehors de sa éducation. Sinon, même si la maladie n'a pas frappé, mais si jamais tu as gagné une deuxième vague, je vous dis, et bien avec ce sentiment, c'est ça qui fait que il y a un minimum qui est supposé respecter en termes d'effectif. Ok? Effectivement, d'abord, troisième volet qui est important, c'est comment l'école a fonctionné. Alors, on est chez toi, effectivement, eh bien, le fixer que faut que 25 à 30 élèves au maximum dans une salle. C'est vrai que c'est une rentrée qui a fait sur fond de crise multidimensionnelle. Crise ou bien pandémie, et bien avant, on était déjà en crise, ouais, des problèmes poignants et de toutes sortes, et ajouté à cela, on gagnait un dollar et des mon cher qui a asphyxié Goudna au jour le jour. Un dollar qui apprend eh bien progression de façon exponentielle pendant que les produits de première nécessité, eh bien mon cher Brio, augmenté, donc vous touchez en goudes, mais vous dépensez en dollars ce au taux du jour, donc problème yo en pile. Et malgré que problème yo en pile, et c'est dans ce sens-là nous capable de dire que nous comprenons et revendications association syndicale qui on ne peut plus que juste et légitime, parce que moi-même et normalien en fait de mon état, je ne saurais me renier, je suis d'abord ensuite enfin professeur, donc je ne saurais me renier. Et problème yo là, il faut qu'on fait face à veille. Mais en dépit de tout et malgré toute difficulté, et la reprise des activités scolaires pour nous capables de boucler l'année, pour nous valider l'année, nécessaire, voire indispensable, le nous tenu compte de paramètres ça. 1. Vous gagnez des écoles qui, dans le moment, on parle avec vous là, des écoles qui ont même d'être en boucler l'année, valider l'année. Ça veut dire, élèves qui dans l'école ont déjà en congé, déjà en vacances, si vous préférez. Et par contre, nous gagnons l'école publique, à savoir les lycées, les écoles nationales et certaines écoles privées qui, eux-mêmes, sont capables de dire, retrouver toujours dans l'impasse. Parce que faut-il bien que, année par année, à tout, faut qu'ils soient capables de boucler, faut qu'ils soient capables de valider. Donc, on vient de trouver dans une situation où gagnons un groupe d'écoles qui, eux-mêmes, par rapport à leur réalité qui diffère des réalités des écoles publiques et de certaines écoles privées, eux-mêmes, ils étaient finis avec année. Or là, nous connaissons que l'État, qu'il a en tant que garant de la bonne marche des institutions, les gagne dans sa mission et régalienne pour qu'il soit capable de réguler en fait, le système. Réguler le système, ça veut dire mettre toute l'école au diapason, ne serait-ce que pour boucler année et pour valider année. Donc, on n'est pas capable de dire un groupe qui boucle, un groupe qui n'est pas bouclé. Toujours est-il, nous dit que c'est vrai que les réalités en fait, des écoles diffèrent globalement. Et ça, c'est un premier aspect qui fait que l'école-là, reprise-là, l'est indispensable. Reprise-là nous dit, l'est indispensable encore. Là, nous connaissons que dans les écoles publiques, ces couches vulnérables qui fréquentent. D'ailleurs, c'est pour ça que l'école et l'État construit l'école publique pour être capable de recevoir les couches les plus vulnérables. Cela dit, si Ania ni bouclé, ni validé pour certains élèves, pour certaines en fait, écoles, il faut que les élèves qui sont dans l'école publique, ils sont même tout, ils sont capables de gagner même privilège.
laisse reprendre. Donc c'est où l'État, et c'est ça qui fait que le ministère de l'Éducation fédérale nationale, eh bien, l'y activer l'y avec la direction départementale pour que l'on soit capable de réussir pleinement et reprise des activités scolaires avec bien évidemment la pleine collaboration et coutumière et de groupes de Mounsaï que nous considérons comme l'épine dorsale, comme colonne vertébrale du système, là, qui parle l'autre groupe de monde que les professeurs qui... Plusieurs citoyens, pèlerins et fidèles catholiques qui étaient présents dans la cour de l'église Sainte-Anne à Port-au-Prince, recevoir kit alimentaire et sanitaire dimanche 26 juillet. Yon initiative direction caisse assistance sociale là qui entre dans quatre bourades CAS à bay moun qui nan nécessité yo. Nous même bon côté pas nous dans CAS, nous préparer des kits alimentaires, des kits hygiéniques et nous préparer des cache-nez tout pour nous faire des distributions avec moun yo soit garder derrière et c'est arranger n'a pas arranger moun yo pour nous pral faire distribution. Là nous gagne 3000 kits sanitaires et nous gagne 3000 kits alimentaires et nous li pas gros même parce que ça li capable vraiment aider moun yo passer une bonne fête. À travers GESA, directeur CAS la Franz Ideris Kwe bénéficiaire capable de râler un souffle. Pendant le promet, la continue à accompagner la population. Nous prenons une décision pour nous accompagner et la population à l'occasion de fête show. Et à travers CAS, gouvernement lui-même est là pour l'accompagner mon yo pendant la période fête pastorale. D'accord, bon, c'est ces raisons qui fait nous la matin. Et nous disons merci avec le ministère des Affaires sociales, le ministre nous, qui te prend le projet ça à cœur. Et nous te dit que nous voulons accompagner la population. Il débat nos possibilités matin à nous là. Pour nous capables de fêter ensemble à mon yo et puis pour aider à passer une bonne fête. C'est plus passé 6000 monde qui bénéficient kit alimentaire et sanitaire sa yo dans l'occasion fête Saint-Anne dimanche 26 juillet. Responsable a annoncé distribution ça pour le continuer dans diverses autres communes en dans pays. De la Caïouan, la continuer. Nous te Fontamara, nous passons première, deuxième, troisième, quatrième avenue Golos, Jodian, Jolan Bicentenaire. Et moi apprécié façon population accueillie CNE, façon population accueillie travail là. Moi saisis tant de monde dans la population qui a dit à pas CNE de là. Ça passe, il n'y a pas vraiment de CNE dans la presse. Mais CNE était toujours là. CNE était toujours existé dans la ville de province. D'ailleurs, tout chantier, c'est équipement CNE, technicien CNE qui travaille sur eux. Mais population n'a pas de CNE visible dans Port-au-Prince. Eh bien, à travers le programme ça que nous baptisons CNE La Caillou, je dis à la population, en passant Port-au-Prince, il y a une possibilité pour eux CNE à l'œuvre. Et nous sommes bicentenaires là, nous devons faire la saline, aller tabac, aller quoi de bouquin, monter Pétionville, tout côté nécessité à faire sentir, tout côté qui fait appel à CNE, CNE à répondre présent. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.